Alors l'anthropologie à l'Université de Montréal, au Québec en général, on peut dire que c'est comme la construction d'un bateau. Vous avez vu assembler les planches peu à peu, et là maintenant on va passer au moment où le bateau a pris la mer, où il vogue en pleine mer. C'est-à-dire où nous essayons, et où nous réussissons souvent, à faire partie des départements d'anthropologie du monde nord-américain, reconnus comme tels, ayant sa place, ses particularités, mais ses exigences et sa qualité, on espère. Donc, je passe sur les petites périodes transitoires qui s'est complétée par la suite avec d'autres enseignants. En archéologie, nous avons surtout eu la chance d'avoir, avec Paul Tolstoï, Philip Smith, un anglophone de Terre-Neuve, un remarquable préhistorien, et puis une linguiste de haute qualité, Liliane Sankoff, qui avait été la première épouse d'un homme célèbre, et qui a fait des élèves de qualité, et aussi un de mes anciens étudiants, qui, à lui seul, ça, il mériterait tout un roman, qui s'appelle Normand Clermont, qui avait hésité à continuer en anthropologie pour ne pas se couper de son milieu des bois de grand-mère, et qui finalement, après avoir fait des prodiges, est devenu un bon... Elle a lancé vraiment une partie de l'archéologie et de la préhistoire du Québec. Et donc le département était constitué avec cela, plus d'autres qui sont venus par la suite, je ne veux pas nommer tout le monde, un spécialiste du Japon, Bernard Bernier, Pierre Bocage, qui travaillait sur l'Amérique centrale, Lionel Vallée, que j'avais déjà mentionné parce qu'il est devenu plus tôt. Et comme vous le remarquez, pas de français. À ce moment-là, si, il y en a eu un, et en anthropologie biologique. J'étais quand même toujours, moi, en tant que tel, responsable de la partie anthropologie biologique du département. Et cela, car nous avions structuré le programme du département, et là j'entre vraiment dans le vif du sujet, avec Guy Dubreuil, nous l'avons fait ensemble, en nous inspirant de diverses choses, de ce qu'il avait vécu à l'Université Columbia. Et aussi d'un programme de ce que pourrait être idéalement l'anthropologie que Lévi-Strauss décrit dans un des chapitres d'ensemble de textes publiés dans l'anthropologie structurale. Avec l'idée que l'anthropologie se forme à la conjonction et l'interaction de quatre disciplines, de quatre approches. L'une, celle du passé à travers l'archéologie et la préhistoire. L'une de la communication à travers l'ethnolinguistique. L'une des rapports sociaux à travers l'anthropologie sociale et culturelle et l'une de la structure et de l'évolution et de la diversité biologique de l'homme à travers l'anthropologie biologique et non pas physique. Et ces quatre sous-ensembles qu'on appelle entre nous des disciplines mais qui sont des balises pour reconnaître des approches convergent toutes vers l'étude de ce qui est le fondement de l'anthropologie, les variations de l'humanité, sous ses aspects biologiques et culturels et sociaux. Donc, nous avions structuré le département de cette façon-là, et j'étais seul à l'époque en anthropologie biologique. J'étais lié à Paris avec le groupe du Musée de l'Homme, avec Robert Gessin, et avec un homme qui a joué un grand rôle en France, qui était Sutter. Jean Sutter était un généticien qui travaillait dans l'Institut des études démographiques. Entre parenthèses, c'était aussi le grand spécialiste du post-impressionnisme, à tel point que lorsque le Musée d'art moderne de New York a voulu faire une exposition, c'est lui qui a coordonné, le généticien français, l'exposition des post-impressionnistes, des peintres comme Luce et d'autres moins connus que les impressionnistes. Bon, c'est une parenthèse. Et puis Albert Jacquard, bien entendu, avec qui j'étais assez tôt en rapport à travers cette équipe, et Pierre Meuchler, qui était en Suisse, et qui tous travaillaient sur une dimension de l'anthropologie biologique très liée à la génétique. Jacquard était un théoricien mathématicien,
venus de l'école polytechnique, qui travaillaient sur les concepts, mathématiques des structures génétiques de la population humaine. Il a fait un livre sur structures génétiques de la population humaine. Et ils avaient un élève, Jacques Gomila, qui était un médecin originaire de Marseille, qui s'était intéressé à l'anthropologie et qui avait fait avec la Gessin, qui était à l'époque sous-directeur, je crois, du Musée de l'Homme, un travail en Afrique de l'Est, au Sénégal, dans une petite population de l'Est de l'Afrique, du Sénégal, près de Kédougou, qui s'appelait les Bédiques. Il avait fait un travail, il avait collecté pas mal de données, je l'ai rencontré là-bas, et nous avons beaucoup discuté, et il a fait avec moi ce que m'a fait Guy Dubreuil avec moi. J'ai fait avec lui ce qu'a fait Dubreuil. Je lui ai dit, c'est pas mal tout ça, mais il faudrait d'abord apprendre l'anthropologie maintenant. Apprendre l'anthropologie, pour moi, quand Dubreuil l'a dit, c'était bien mieux connaître l'anthropologie nord-américaine et l'anthropologie anglaise. Et pour Gomila, c'était passer de l'anthropologie physique française traditionnelle, qui faisait des descriptions de groupes et leur classement les uns par rapport aux autres, à l'anthropologie de la génétique et dynamique. Dans les deux cas, c'est ce que nous avons fait. Gomila est venu enseigner à l'Université de Montréal, où il a joué un assez grand rôle. Il est mort subitement quelques années plus tard, non, 15 ans plus tard, mais subitement. Et le département, donc, je dis, a pris son essor, a pris son vol. Nous avons donc, pendant longtemps, enseigné ce qu'on appelait le baccalauréat, c'est-à-dire 3 années, pendant lesquelles les étudiants recevaient une chose impensable en France à l'époque, un enseignement complet d'anthropologie, comme ça se passait aux États-Unis, et comme ça se passait déjà aussi, par exemple, en Argentine. Ma femme a fait ses études, elle est argentine, elle a fait ses études en Argentine, elle connaissait parfaitement déjà toute l'anthropologie européenne, nord-américaine, avec toutes les disciplines et tout ça. Il ne faut pas oublier qu'en France, en 1960, il n'y avait à la Sorbonne que 2 jeunes débutants maîtres de conférences, et dont un à titre provisoire, André Leroy-Grand et Roger Bastide. Et c'était le seul enseignement universitaire de l'anthropologie en France. Il y avait des enseignements de parallèle ou de substitution, qui étaient au Musée de l'Homme un certificat d'ethnologie. Il y avait aussi des gens qui enseignaient l'ethnologie, l'un à Bordeaux, Pierre Mettet, d'autres partiellement. Il y avait des gens qui faisaient ce qu'on a appelé de l'anthropologie plus tard, de l'ethnologie, qui étaient des missionnaires, qui faisaient des dictionnaires, qui faisaient des monographies. Il y avait aussi des gens comme Marcel Griol et Michel Léris, qui avaient fait leur fameuse expédition Dakar-Djibouti, et dans la suite de Marcel Griol, la série de petites dames, Monique de Lestrange devenue Monique Gessin, Solange de Ganay et tout ça. C'était la discipline des dames ayant de la liberté et des moyens et qui allaient voir ailleurs comment ça se passait avec un œil attentif et compréhensif pour ces populations lointaines et qui rédigeaient des travaux intéressants. Mais c'était ça l'anthropologie française. Et puis on s'intéressait aux représentations mentales, aux religions, au niveau supérieur de l'humanité. Marcel Griol, dans ses conversations avec Odo Gotemli, n'aborde pas la vie sociale. On ne sait pas du tout comment ils mangent, comment ils habitent, comment ils se marient. On sait leur représentation du monde. Donc c'était ça. Alors évidemment, Dubreuil a frémi, il savait d'où je venais. Mais il y avait Leroy Grand qui m'avait cautionné, qui m'avait poussé à lire beaucoup. Mais je me souviens quand même, après l'enseignement que j'avais subi, excusez-moi de cette digression, mais j'avais dit à Leroy Grand, mais c'est ça la parole d'anthropologie, moi j'ai pris la médecine, c'est autre chose. Il me dit, mais on vous donne les clés, à vous d'ouvrir les portes. Alors, il y a ceux qui ouvraient les portes et ceux qui ne les ont jamais ouvertes. Bon. Alors, ensuite, il y a eu beaucoup de choses, et l'anthropologie française, maintenant, se classe à un rang très élevé. Mais ça demande... Alors, il y avait les Belges aussi, je dois dire. Et là, les gens qui avaient enseigné au Congo belge, il y avait une équipe d'élite avec Luc de Heuch, avec Bibeuc, avec Jean Yernaud, j'en passe quelques-uns.
J'étais très lié à Jean Biarnaud et j'ai assez bien connu Luc Deutsch. Et je veux dire, Jean Biarnaud est devenu lui aussi un très proche. Je l'ai fait venir plusieurs fois à Montréal, ainsi que Jacquard. Et ensuite, il a créé un laboratoire CNRS dans lequel je suis entré, tout en étant à Montréal comme chercheur associé. Et là, l'influence de Jean Yarnaud, qui était vraiment à la pointe du progrès de l'anthropologie biologique et génétique, a joué un grand rôle sur l'anthropologie française. Et je veux dire que l'anthropologie belge a été beaucoup plus en avance par l'influence des contacts avec l'Angleterre, dont Robert de Liège actuellement est encore l'un des témoins. Alors, elle n'était pas endogame du tout comme la française. Alors donc, on a vogué comme ça et on a commencé à déployer un programme de maîtrise. Et on a commencé à faire des maîtrises. Alors, le passage à la maîtrise a été pour nous, ça paraît incroyable, une espèce de promotion du département. Car c'était un degré où la recherche s'intégrait à l'enseignement. Alors là, j'ai eu la chance que c'est à ce moment-là que s'est créé. J'avais quand même suscité, puisque je connaissais bien les Antilles, quelques recherches aux Antilles par des étudiants. Le premier, c'était Edith Kovacs, Edith Baudou, qui ensuite est devenue maître de conférence à Paris chez Balandier pendant tout le reste de son existence, et pour lesquelles j'avais obtenu quelques moyens, à cause de sa personnalité appartenant à la haute société hongroise, etc. Je lui avais demandé de faire l'ethnologie des Blancs créoles de la Martinique. On avait obtenu une subvention de Vera Rubin, qui, mécène pour la Caraïbe, dirigeait à New York l'Institute for Research of Man, l'Institut pour la recherche sur l'homme, qui était en fait un centre de recherche sur la Caraïbe, de financement des recherches sur la Caraïbe. Et sur son initiative, s'est créé un consortium de recherche sur la Caraïbe, où elle a associé plusieurs universités. Il y avait UCLA, l'Université de Colombie, il y avait Brandeis Université, il y avait McGill, il y avait Columbia, et il y a eu, à cause de ce que je mentionne, l'Université de Montréal qui entrait du coup dans ce groupe quand même assez élite des universités nord-américaines. Nous avons simultanément, ensemble, rédigé un programme que Vera Rubin a soumis à la Fondation Ford qui nous a donné 500 000 dollars. On est allé à la Fondation Ford dans leur magnifique bâtiment, discuter avec un monsieur qui s'appelait, je me souviens, monsieur Fox, et qui nous a dit, oui, mais il n'y a pas l'University of West Indies, nous ne pouvons pas travailler là-bas, il faut les mettre, j'ajoute 100 000 dollars et vous les mettez. Alors, on a commencé un programme qui était, à mon avis, bien conçu. Nous choisissions chaque année entre 5 et 7 étudiants du niveau master dans nos universités. Et le programme leur finançait 2 mois de terrain, voyage et frais de séjour compris, plus un salaire d'été, puisqu'autrement ils auraient travaillé. Elle finançait aussi, à la fin de chaque année, c'était pour 3 ans, le rassemblement de tous ces étudiants dans un des campus de l'Université of West Indies, une année à la Jamaïque, une année à Trinidad, où ils faisaient un rapport de leurs travaux. Chacun le faisait à tous les autres. Donc, nous avions pour nos étudiants québécois un contact direct avec des universitaires nord-américains dans la Caraïbe. Mais moi, c'était des étudiants francophones. On m'avait donné les îles de la Caraïbe francophone, Martinique, Guadeloupe. J'ai encore la photo de notre première arrivée. Et je vois côte à côte les visages de Micheline Labelle, de Louise Guyon, de Jean Archambault qui, lui, a quitté, il est devenu fonctionnaire au ministère du Québec. Et de quelques autres qui ont fait depuis, de Gilles Lefebvre, qui était prof de linguistique, etc. Que nous arrivions là, nous sommes sur la plage de Gosier à la Guadeloupe, et tous torse nu, sauf les filles, bien entendu, à l'époque. Et c'était notre débarquement de Québécois. Et alors, j'ai mis les étudiants sur des programmes. J'avais fait un programme sur la pêche, un autre sur la famille. J'avais fonctionné dans différents travaux sur la Caraïbe pour faire l'équivalent. L'un d'eux, Jean-Marc Philibert, qui est devenu enseignant à Western University, a fait le marché d'une chose. Lise Pilon travaillait sur la parenté.
D'autres travaillaient sur la linguiste, sur la langue. J'avais mis sur le programme de la pêche Joseph Lévy, Serge Larose et quelques autres. Et puis, j'avais demandé à Micheline Labelle en Guadeloupe de travailler sur ce qui est devenu un texte qu'on appelait L'apprentissage du monde dans un village. Donc, tout ça, on a fait un ensemble, financé dans de bonnes conditions. Ces étudiants sont revenus, étaient les premières maîtrises qu'on a fait à l'Université de Montréal. Mais ensuite, j'ai eu envie de pérenniser ça. Quand les 3 ans se sont passés, on n'avait plus d'argent. Donc, dès la deuxième année, j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, si j'ai une maison où on permet d'atterrir, et s'il y a une voiture, je peux toujours trouver des moyens pour que les étudiants viennent, même de façon plus ancienne. Et j'ai commencé à prospecter. Et c'était là qu'un de mes amis, historien, homme d'affaires, bien entendu, parce qu'il est un historien qui s'autofinançait, mais qui a quand même fait un doctorat d'état en histoire, Jacques Petit-Jean-Roger, m'a dit, écoute, il y a un bâtiment magnifique, à l'abandon, en ruine, qui est l'ancienne sucrerie des Pères dominicains, ouverte en 1630 ou 1640, qui pourrait être. Il appartient au Conseil général. Je suis allé voir. J'ai publié depuis un livre qui raconte l'histoire de tout ça, et on voit les photos de cette ruine envahie par les végétaux. Sans toit et tout ça. Il m'a dit, mais là, vous pouvez l'avoir. Je dis, oui, mais qu'est-ce que je vais en faire? Alors, négociation, je raconte tout ça dans ce livre qui s'appelle Chronique d'un lieu de pensée et qui est en même temps un fragment de l'histoire de l'Université de Montréal, parce qu'en revenant à Montréal, j'ai rapidement vu un homme qui a joué un rôle considérable, car il avait l'esprit extrêmement ouvert, c'était Maurice Labbé. Qui était fier d'être le premier Québécois à avoir été docteur en mathématiques, c'est vous dire que on débutait quand même, et qui était vice-recteur chargé de la recherche à l'Université de Montréal, qui m'a donné tout son appui. Et j'ai fait créer, à travers le département d'anthropologie, mais dans le cadre des programmes des centres de recherche liés à des départements, mais suffisamment partiellement autonomes, ce qu'on appelait le Centre de recherche Caraïbes. C'était d'abord une institution sur le papier, mais ça m'a donné le pouvoir ensuite de retourner au Canada, à la Martinique, et de dire, je viens parce que l'université a créé un centre de recherche Caraïbes, et ce centre est prêt à déployer ses moyens que je n'avais pas sur place. Alors on m'a dit, écoutez, voilà, et on m'a exposé ce qui pourrait. Je pourrais obtenir que la location de l'ensemble qui appartenait au Conseil général. Mais on ne peut pas louer une institution étrangère. Il faut fonder une association locale qui sera le locataire et qui, elle, passera contrat avec une institution étrangère, puisqu'une association, c'est un privé qui peut le faire. On a créé une association locale, présidée par Jacques Petit-Jean-Roger, dans laquelle on a mis des membres de l'intelligentsia martiniquaise, et pour négocier avec cela. En même temps, j'étais allé voir le maire, c'est pas trop long. Du village Sainte-Marie, Alexandre Mercant, qui depuis a donné son nom à l'école locale. Et elle était enthousiaste, c'est merveilleux, on va pouvoir recevoir l'université, etc. Bon. À ce moment-là, il s'agit de ma thèse de retourner à Montréal, de voir non seulement le vice-recteur, mais le recteur, qui était un philosophe, Paul Lacoste, qui était. Le deuxième recteur laïque, puisqu'il avait succédé, je crois, enfin, il y avait Roger Gaudry avant. Et là, Paul Lacoste me dit, ben, écoutez-moi, il faut que j'aille voir. Alors, on a voyagé ensemble à la Martinique. Il a été reçu solennellement par le président de l'Université de la Martinique, Jacques-Adélaïde Mertland, un historien, c'est. Fier de lui. Et on est allé partout. Je me souviens surtout d'un dialogue sur la plage du Diamant avec un pêcheur que je connaissais bien parce que du temps de l'Institut Pasteur, j'avais soigné sa lèpre
Et il m'était resté reconnaissant. Et je lui présente, je lui dis, voilà, le recteur de l'Université de Montréal, voici monsieur, je peux dire son nom, monsieur Giscon, et tout. Ah, et dans ce parler martiniquais qui peut être grand siècle, ce pêcheur qui avait l'air de rien du tout. Ah, monsieur, comme nous sommes heureux et honorés que votre belle université puisse nous rencontrer. Vous nous apporterez la science, etc. Et le recteur, ah, ben, je m'excuse, je ne veux pas moquer des Québécois, mais il n'avait pas du tout l'entre-gens qu'avait. C'était un esprit raffiné, Paul Lacoste. Mais il était déconcerté devant cet Antillais. Alors tout s'est très bien passé, on a été reçu par le préfet, et finalement l'autorisation est venue. Sauf qu'il fallait l'argent. Alors on a dit, oui mais vous nous prêtez des locaux qui ne sont pas... Le préfet a déclaré qu'effectivement ça revenait à l'État français, car c'est un patrimoine historique, et un fonds qui s'appelle le FIDOM, le Fonds d'investissement des départements d'outre-mer, a été dégagé à ce moment-là, suffisamment grand, pour mettre hors d'eau les bâtiments, restaurer tout ce qui était abîmé, nettoyer, et nous donner un local habitable. Alors là, j'avais gagné mon pari. Ensuite, il fallait, du coup, je retourne à Montréal, ils ont des locaux habitables et tout, ils nous les donnent, maintenant il faut qu'on ait de l'argent pour fonctionner. Et on a créé un budget spécial dans l'université, pour le Centre de recherche Caraïbes, dans lequel j'ai pu inscrire, et ça, ça a été capital, un poste de celui qui serait permanent au centre, à condition que ça soit offert à un étudiant qui fait une thèse de doctorat. Alors là, la structure a été mise en place. Le centre est devenu, je raconte ça dans ce livre, je ne vais pas trop détailler, est devenu l'accueil tout à fait international et interdisciplinaire. On a fait un laboratoire de botanique, un laboratoire d'archéologie, et il y avait des recherches ethnologiques dans toutes les îles, etc. Et puis, un résident. Au début, André Corbeil a quitté assez vite l'anthropologie. Le deuxième, Jean Chambaud, avait fait un joli travail sur l'archipel des Saintes, sur les pêcheurs. Et après, il a abandonné l'anthropologie. Après, il y a eu quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence, c'était Jacques Desruisseaux, qui était géographe de l'Université de Bordeaux, car on avait des ententes avec l'Université de Bordeaux pour que des géographes viennent, et là-dedans se sont formés notamment ceux qui ont développé les Martiniquais, qui ont Maurice Burac notamment, qui est devenu le prof de géographie à l'Université des Antilles. Et il y avait donc tous ces gens-là qui sont venus, qui ont développé leurs recherches là. Et peu à peu, le Centre Caraïbe est devenu un carrefour. Et Jacques Desruisseaux a fait ensuite une assez belle carrière, d'abord au ministère québécois des relations extérieures. Il est devenu délégué pour la... Il est fini comme ambassadeur dans la Caraïbe. Et ensuite, il y a eu Raymond Massé, devenu professeur à Laval, puis Monique Desroches, que j'avais fait venir en demandant à Jean-Jacques Nattier s'il y avait un ethnomusicologue qui pouvait m'aider à travailler à décrypter la musique que je ne comprenais pas du tout des tamboules de la Martinique. Et là a commencé la carrière antillaise de Monique Desroches, qui a su la développer admirablement.